Je me présente, je m'appelle Patoche. Je voudrais bien devenir moi moche, évoluer. Être de type combattier et avoir des attaques pétées. Mais pour tout ça, il faudrait que je ne meure pas. Oh yeah! Oh là là, Phil Drong, il a raté son défi de la dernière fois. Du coup, on lui a dit de chanter, c'est trop drôle de le voir s'afficher. Lol 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 MDR lol. Yo les trashers, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 6 de Pokémon Insurgence, ce let's play est commenté. Et aujourd'hui, la dernière fois, on a vaincu... Mais pourquoi j'ai l'impression que je peux pas faire une intro correcte dans ce jeu? À chaque fois que je commence, il se passe quelque chose. Donc oui, je disais aujourd'hui, le défi, c'est que je ne peux pas entraîner mes Pokémon. Donc ça veut dire que vous ne devrez jamais voir de différence dans les Pokémon. Bon, alors évidemment, entraîner les Pokémon, c'est... Je veux dire, j'ai le droit de faire les dresseurs. Mais je vais pas aller dans les herbes pour entraîner mes Pokémon. Et vu la difficulté du jeu, ça risque d'être un peu compliqué. Elle avait l'air paniquée, je vais aller voir. Qu'est-ce qui se passe ici? J'ai vaincu la ligue. La ligue. J'ai eu mon premier badge. Et c'est la fête, c'est ça? Salut Harmonie, qu'est-ce que tu fous là? Je suis en milieu de mon travail. J'accepte les challenges. On doit s'en aller. J'ai vu des cultistes qui entraient dans la maison. Et ils parlaient de toi. Je ne sais pas ce qu'ils planifiaient, mais... nous avons besoin de nous en aller. Ah oui, parce que un petit résumé de l'histoire, c'est que on s'est échappé d'un culte, on est arrivé dans une ville, et puis finalement l'histoire est un peu restée au point mort, c'est un peu devenu une aventure Pokémon classique finalement. On sait pas trop pourquoi on était chez les cultistes, je suppose qu'on va, savoir la prochaine fois. Nous n'avons pas... Oh merde. Oh, c'est juste un rocher! C'est pour ça qu'il devrait pas laisser des enfants devenir des champions d'arène, parce que le mec a un caillou comme ami. Trop tard. Oh merde. Kurem. Ah, mes excuses pour le gros pour l'atterrissage qui fait du bruit. Les Pokémon légendaires sont difficiles à contrôler. Le nom de cette créature est Kurem. C'est un Pokémon très puissant. Oui, d'accord. Son souffle est si froid qu'il peut... je l'ai des flammes. Je suis Taen. Je travaille pour le culte de la perfection. On n'est pas aussi agressif que le reste des cultes. On fait nos choses tout seul. Mais ça devrait pas, ça veut pas dire que tu devrais nous prendre pas au sérieux. Da-da-da-da. Oui, d'accord. Ok, nous sommes là. Attends, je protégerai la roche. Tu ne prendras pas mon rocher. Tu es ami avec le rocher? Mais oui, c'est exactement ce que je dis à chaque fois. Il est con, ce mec. Est-ce que tu parles au rocher? Est-ce que vous êtes best friend forever? C'est tellement mignon. Mais tellement, putain. Tu n'es pas très friendly. Qu'est-ce que tu veux? Et pars. Ok. On veut le rocher. Je mourrai avant de donner laisser le rocher. Bon, maintenant c'est les adultes qui doivent parler. Quoi? C'était une slap, ça? What was that? Qu'est-ce que c'était? C'est la raison pour laquelle on veut le rocher. Ok, d'accord. Donc ça reste un rocher magique, même si c'est pas son vrai ami. Oh mon dieu. Ah, une Pokéball! Qu'est-ce qu'on dirait cette fois? Non, on dirait une sorte de... On dirait le plan de mon appartement. Regardez, là, il y a la salle de bain. Là, c'est les toilettes, le petit truc. Ah, merde. C'est Reshiram, lettre de la vérité. Il y a quelques années... Ah oui, attendez. Mais non, mais je peux pas prendre une voix un peu stylée parce qu'il y a la musique de la reine qui rend le truc complètement nul.
Alors, il y a très longtemps, Reshiram, Monkurem et Zekrom, ok, étaient les mêmes pièces du même Pokémon. Le combat et la guerre les a séparés. Reshiram a été mis dans le rocher qui était ton ami, hein. Et voilà, c'est Orion qui l'a maintenant. Super, Kyurem, à plus. D'accord, ils ont réveillé Reshiram. Ah! Il a perdu son rocher! Je ne vous avais pas vu. Bah oui, moi ça fait 15 minutes que je suis là à t'attendre, hein. Mon nom est Harmony. Je suis le gym leader de Sonata City. Type normal et fée. Oh putain, il va y avoir des mélodelfes et tout. Voilà, Fifou a battu Orion aujourd'hui. Ok, vas-y, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Oui, bon, allez. Bon, écoutez, au bout d'un moment, est-ce que je peux jouer à Pokémon? Reshiram, tu es revenu. D'accord. Voilà. Voilà, d'accord. Il se sent bien avec Orion, c'est son meilleur ami, parce qu'il s'occupait de lui quand c'était une pierre. Ça, c'est le conte de la princesse et de la grenouille. Genre, voilà, même si l'être est moche, il faut l'aimer, comme ça peut-être un jour ça se transformera en prince charmant ou Reshiram, là. Allez, à plus. À plus! Trois petits points, trois petits points. Reshiram, je savais que tu étais vivant, mais je ne savais pas que tu étais un légendaire. Ok. D'accord, donc. Fifou, tu y vas. Oui, bah oui. Ok. Instant Lapras. Quoi? A plus! Avec ton Reshiram là, tu te la pètes là. Moi j'ai pas besoin de Reshiram, moi j'ai un Nidoking qui s'appelle Anus en plus. Let's go! Ouah, la route 3! Comment? On est juste à la route 3. Et on a nos Pokémon déjà qui sont tous au moins niveau 25. Et voilà les combats, mais sérieusement. Non, mais ça va, hein. D'accord, donc en gros, je vais perdre mon duel contre Strupp. Oh, il m'a fait encore. Bah non, en fait, je vais gagner mon duel. Ah! Bah oui, encore. Alors, c'est pratique, mais bon, sur un Pokémon qui fait que taper. Pas de coup critique, s'il te plaît. Merci. Voilà! Ils mettent des baffes, hein, quand même. Hein. Girafarig. Putain, mais c'est chaud les dégâts, hein. Allez, Silverwing, hop, à plus. Oh oh oh! Allez, le boost de toutes les. Ah, j'adore quand ça fait ça. Ça m'arrive jamais dans la vie réelle, mais ça m'arrive quand je joue en aventure. C'est nul. Voilà, un petit flinch. Petit flinch d'anus. Qui n'apprécie pas, hein. Eh bah, dis donc. Il s'en est passé des trucs dans ces deux petits tours. Hein. Hop. Est-ce que tu as vu les ruines sur la route 2? Il y a un super Lucario. Mais moi j'ai pas besoin de Lucario, j'ai un Riolu. Évidemment. Allez, à plus sous le bus, bonne meringue. Double kill. Hop, hop, voilà. Allez, distingué. Distingué, je peux pas me séparer de Distingué. En plus, il va bientôt évoluer, donc ce serait vraiment dommage. Allez, Patoche. Patoche, c'est le seul qui est pas au niveau 25. Allez, Patoche. Tu peux te le faire.
Ok, Patoche, tu as fait de ton mieux. Laisse les grands faire, du coup. Allez, Anus, c'est parti. Quel nul, ce Patoche. Je suis un peu déçu, quand même. Hein. Brick break. Ah, on est bon pour retourner au centre Pokémon, dis donc. Ouh. Unknown. Zarbi A. C'est un A. La PC... c'est pas efficace, alors ça peut être plein de trucs. Nidoking a beaucoup de résistance, hein, donc ça pourrait être plein de trucs. Hop! En tout cas, l'XP va bien. Mais c'est vrai que les Pokémon des mecs sont à mon niveau, en fait. Donc c'est un peu compliqué. Alors, ce qui est bien important et que je dois pas oublier, c'est que je peux capturer les Pokémon, mais je peux pas les tuer, parce que je peux pas m'entraîner sur le Pokémon. Donc, en gros, au maximum, il faut que j'évite de taper les Pokémon parce que ça fait de l'XP mine de rien. Donc, voilà, donc genre ça par exemple, je ne le tue pas. Je fuis bêtement. D'ailleurs, il faudrait que j'entraîne. Attendez. Bon, Patoche. Allez, je sais que c'est dur. Que t'es pas un Lucario. Que c'est dur. Putain, en plus, évidemment, c'est un scout. Il va avoir que des Pokémon insectes nuls. Oh là là. Allez, Patoche, je sais que c'est... Patoche! Est-ce qu'il a sérieusement vu? Ouais, bon, alors par contre, là, tu vas pas me casser les couilles non plus. Merde, je voulais copier le vœu en fait. Hein? Ah, les Patoches! Voilà, alors je vous avais promis de vous faire un Pokérap, mais à la place, je vous propose une petite chanson. Je me présente, je m'appelle Patoche. Je voudrais bien devenir ma moche, évoluer. Être de type combattier et avoir des attaques pétées. Mais pour tout ça, il faudrait que je ne meure pas. Oh yeah! Voilà! J'espère que vous êtes contents. Sacré Patoche, hein. Ce sera l'hymne du jour. Six and a half hours later. Oh, j'arrive déjà à la ville de Mechi. Vous savez, what time is it, les gars? Exploration time. Oh, regarde qui c'est! Hey Fifou, comment ça va? C'est moi Nora. J'aime cette place. Je vivais ici avant. Ok. Ah oui, parce que moi j'ai pas de... Moi, Mion Mio, il fait pas équipe avec moi alors que toi t'as ton Celebi. Wow. Ah oui, alors Patoche contre Onedge. Oh putain, je sens que je vais m'en prendre plein la gueule. Ah bah non, parce que j'ai distingué. Bien sûr. Allez, distingué. Montre-lui ce que tu sais faire. Allez, bonne meringue. Bam. Allez, bam. Bam. Voilà. Oh là 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 là, il booste sa vitesse maintenant. Attends, tu vas voir. Allez, Edin. Putain, il a des super Pokémon. Mais moi, j'ai le contre ultime à Celebi. N'oubliez pas, j'ai le contre ultime à Celebi. J'ai une attaque de type insecte dans ma team. Floette. Ok.
Anus, go! Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Ma team est tellement bien, n'empêche. Elle a tellement un gros potentiel. Oh là là là, allez. Poison Sting dans ta gueule. Petit poison. Oui, voilà, parfait. Du coup, on va pouvoir enchaîner avec des retours. Et toi, en attendant, tu me fais rien. Super. Ah, il fait vœu, par contre, ça, c'est chiant. Est-ce qu'il a abri? Non, il a pas abri. Faudrait que t'apprennes la stratégie, mec, là. Ça le fait pas comme ça, ça se passera pas comme ça. Hop, niveau 29 Anus, hein. Bayleaf. Elle a que des Pokémon thématiques. Le Wish, oui, bon, on s'en fout. Ah, on a Pic-Pic. Trishot. Reflect. Alors, s'il a fait reflet, je vais peut-être faire des Poison Sting pour l'empoisonner. Ouais. Putain, il me fait mal quand même. Enfin, mal. Il fait pas très mal, mais il fait un peu mal quand même. Voilà, il a synthèse, donc c'est pour ça que je veux l'empoisonner. Allez. Poison Sting. Natural Gift. Ça ne marche pas parce que tu n'as pas de baie. Allez, il faut que je l'empoisonne pour pouvoir lui pousser ses dégâts. Voilà, un coup critique. Poison aussi. Voilà, super, parfait. Et il essaye de refaire reflet, mais mec, on sent que t'as pas fait de stratégie. À haut niveau, pas comme Fieldrong. Et on va finir avec Pic-Pic. Et voilà. Merde, wait. Non, c'est bon. Anus. Je t'aime. Je t'aime, mon Anus. Qu'est-ce que j'aime, mon Anus. Swadloon. C'est pareil, je crois que c'est encore un Pokémon. Ah d'accord, en gros, c'est un Pokémon. C'est une dresseuse de type plante fée, quoi, en gros. À peu près. Et son dernier Pokémon, je suppose, c'est Celebi. Mais j'ai la réponse parfaite pour Celebi. Ah, Anus, il est au-dessus. Attention, Celebi, voilà. Et mais. Comment avoir peur de Celebi quand on a ça? Anus! En avant! Putain, les dégâts! Quoi? Mais t'es 4 fois faible! Attends, wait! Non, attends, wait! Non, c'est bon, il a fait sauvegard. Alors, en même temps, les stats de Celebi, c'est quelque chose, hein. Heureusement que l'IA est vraiment bête. Hein. Allez, c'est. Regardez l'XP que ça m'a rapporté. Je vais prendre 2 niveaux là, non? Non, peut-être pas, mais. Oh! Même avec Celebi, tu peux pas gagner. C'est la honte pour toi, meuf. Ah là là. Elle s'est fait prendre en double par mes 2 Anus! C'était une très bonne idée d'appeler ces Pokémon Anus. Il faut qu'on aille voir Damian. Il faut que je lui explique. D'accord, de ne pas parler de ça. Oui. Vipic City. D'accord. A plus. Quelle victoire. Oh, des petits piaf à bec. Coucou, 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 coucou. Notre seule source de nourriture venait de ça, des baies. Tu te fous de ma gueule? Genre, vous viviez de baies, mais c'est pas possible. C'est même plus végétalien à ce stade-là. C'est extrêmement compliqué de vivre en mangeant que des baies. Je sais même pas si c'est possible. Tu finis par mourir. N'importe quoi. D'équerre. Oh, mais c'est compliqué de breed des Pokémon. Oh, j'aimerais avoir un petit ami. Ok, les meufs dans les commentaires, si vous voulez avoir un petit ami, dites-le. Alors, on parie qu'il va avoir un Pokémon Spectre en premier. Comme ça, Patoche peut pas... Eh hey, mais calmez.
Patoche, j'essaie de l'entraîner et il est même pas foutu de d'avoir une chance, on lui laisse aucune chance. Pauvre Patoche. Oh putain, en plus les dégâts qu'il a infligés là. Bon, au moins il monte quelques niveaux, mais bon, Drifblim. Est-ce que j'ai des Pokémon qui peuvent le toucher? Immunisé au type sol. Oh, le cri de ce truc. Non, mais c'est bien, c'est bien. Ok, alors attends, il faut que je l'empoisonne. Oui, d'accord, il faut que j'empoisonne. Alors, j'ai pas d'attaque électrique, j'ai pas d'attaque spectre. Lui, il a une attaque. Putain, oh là là, je vais me faire sweep. Mon dieu. Adieu, monsieur le prof. Allez, poisonne! Poisonne! Oui! Eh ben... Regardez comme il est boosté, le truc. Regardez les dégâts que je lui inflige. Oh, putain... Nidoking tombe. Qu'est-ce que je fais? Ça sent un peu la mort. Bon, distingué, c'est à toi de tout faire. Ingérable le truc. Bon, par contre, ça fait plein d'XP. Mais bon. False Swipe, ça c'est pour capturer un Pokémon. Je sais pas si j'ai des attaques qui peuvent... Oui, bah, c'est pas comme si j'avais besoin de ça. Je peux pas le toucher. Je ne peux pas toucher ce Pokémon. Aucun respect, aucun putain de respect. Ce truc là, là, ce motisma, j'ai pas une seule attaque qui le touche pour des dégâts neutres. Je crois que c'est une bonne façon de finir ceci. C'était dur de pas pouvoir entraîner ces Pokémon aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. En tout cas, on reviendra la prochaine fois pour se venger contre ce truc. Patoche. Je crois que j'ai fini. C'est la thématique de la journée. Patoche, voilà. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne Pokémon Trash, à commenter, à liker. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne YouTube, à moi, Fildrong, sur YouTube. Vous cherchez Fildrong dans YouTube et vous allez me trouver. Et moi, en attendant le prochain épisode, évidemment, je vous dis tchuss.